Non, je ne fais pas de création Disney, Marvel, Harry Potter, compagnie. Pourquoi? Bah parce que j'en ai pas le droit. Ce sont des marques, des licences et des droits d'auteur protégés. Il est strictement interdit de reproduire dans le but de commercialiser des éléments d'une marque ou d'une licence protégée. On peut, à condition de posséder cette licence. Vous allez me dire, ouais, ok, mais on en voit beaucoup, il y en a plein qu'on propose. Oui, beaucoup de couturières proposent des créations Disney. Certaines par méconnaissance de la loi, certaines savent très bien ce qu'elles font. Mais moi, personnellement, je ne prendrai pas ce risque, le jeu n'en vaut pas la chandelle. C'est vrai que c'est tentant, et puis surtout c'est beaucoup demandé. Alors peut-être que je pourrais demander cette licence? Ouais, mais alors voilà ce qu'il faut. Et donc autant dire qu'aucune petite couturière ou petit artisan n'a l'autorisation. Pour obtenir la licence par exemple de Disney, il va falloir 5 ans d'expérience dans ton domaine, vendre en très grande quantité et s'acquitter de la rondelette somme de 80 000 euros. Autant dire que la chouette planète elle a pas le budget pour. Et qu'est-ce qu'on risque justement si on fait pas ça? La saisie de la marchandise, la fermeture de ta boutique. Et une amende de 260 000 euros. Tu comprends mieux maintenant pourquoi je prendrais pas ce risque? Et c'est quelque chose qui n'est pas limité aux tissus, aux créations textiles. Non, non, non. C'est valable aussi pour les bijoux, pour les bougies, les tasses, les dessins et plein d'autres choses. Tout en fait. Tu ne peux pas utiliser quelque chose qui est sous licence si tu n'en as pas l'autorisation. Enfin si, tu peux. Mais dans le cadre privé, pas dans le but de revendre cette création. Voilà, tu sais tout. Et n'oublie pas que d'acheter un produit contrefait ou plagié fait de toi aussi quelqu'un dehors la loi. Allez, rendez-vous sur lachouetteplanète.fr, je te jure qu'il y a plein d'autres choses qui sont super sympas aussi.